Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur le Steam Deck et cette fois-ci, on va découvrir ensemble l'excellent remake de The House of the Dead, donc un jeu de tir de Sega qui était sorti sur borne d'arcade, qui est sorti aussi sur Sega Saturn. Et ici donc, on a la chance d'avoir un remake. Donc on va tester ça ensemble. Je le possède également sur la Nintendo Switch. Il faudra à l'occasion que je vous fasse une vidéo de gameplay sur la Switch. Donc là, le Steam Deck est en mode 60 FPS. Alors, continuer, oui, je l'avais testé, j'avais mis en français parce que quand tu lances le jeu, il est en anglais. Donc, on va faire une nouvelle partie. J'avais juste testé, lancé une ou deux minutes pour voir si le jeu fonctionnait. Donc, on va faire une nouvelle partie. On a le mode original et le mode horde. Donc, on peut choisir comme ça, bizarre. Donc le mode original en normal, difficile, arcade. Donc on va le mettre en normal. Ah non, on a facile aussi. On va le mettre en normal. Quoi qu'on va le mettre en facile parce que à viser avec les analogiques. Je pense pas qu'ils ont mis sur cette version l'option de jouer en gyroscopique. Ça aurait été pas mal pour viser en inclinant la console. Mais bon, pour filmer, ça aurait pas été pratique du tout, hein, par contre. Mode de score classique, sinon on a moderne et mode multijoueur désactivé. Commencer une nouvelle partie. Tac. Si jamais après vous voulez que je fasse une vidéo sur le mode horde ou quoi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc pour viser, je sais pas si avec le pavé tactile si ça va aller ou pas. On va voir. Je pense pas, j'avais testé avec l'analogique. Je n'avais pas pensé à tester avec le pavé tactile. Appuyer sur tirer. Donc tirer, c'est la gâchette R. Ne tirez pas, bah oui, forcément. Oh, graphiquement, punaise, waouh. Ils devraient refaire des remakes de leurs anciens jeux d'arcade, les Daytona, les Sega Rally, Scud Race, les Virtua Cop, punaise. Tous ces jeux-là, ça serait excellent. Alors, on peut pas viser avec le pavé tactile. Bon, recharger avec le L, la gâchette L, et tirer avec la gâchette R. Et pour viser, c'est l'analogique gauche. Merde. C'est moins évident hein, de viser avec l'analogique, mais bon, voilà, il y a moyen de bien s'amuser quand même. Je crois les giclées de sang et tout, c'est vraiment bien gore, cool. Ouais, apprends à viser, Joe. C'est vraiment bien gore, hein. Punaise, j'adore. Je kiffe. J'espère qu'ils auront la bonne idée de faire le remake du 2 aussi, qui était excellent, que je possède toujours sur Dreamcast. Qui est en bonus sur le House of the Dead 3 de la Xbox. Une petite vie. Merci.
Oh, mais c'est vite les X100, franchement, elles sont superbement bien gore, bien faites. Je surkiffe à 200%. Où est mon viseur? Bon, j'ai pas été voir dans les options, mais à mon avis, je pense qu'on peut changer la couleur du viseur aussi. Et là, sur le côté, sur la droite et gauche du viseur, vous pouvez voir munitions qui restent. Ça continue, start sûrement. Ah non. Continuer. Ah, ok. Est-ce qu'on peut changer la couleur du viseur? Ça serait peut-être plus facile. Oula, comment? C'est écrit tout petit, hein, punaise. Qualité, ok. Tout est en élevé. Affichage, V-Synth, tac. Son, gameplay. Aide à la visée, moyen. Ah ouais, on peut régler l'aide à la visée et tout. Cool. Ah ouais, voilà. Couleur du joueur. Tac. Merde, j'ai changé la lampe là. Il faudrait une couleur plus claire. À la limite, le vert. Ce sera peut-être. Ouais, on verra mieux. C'est quand il y a du sang. Oh purée! Quand il y a du sang, on voit le viseur rouge. Pas toujours évident. Oh là là, mec, c'est kiffant. T'as pris des risques, hein, toi, je te le dis. Faut être rapide de la gâchette, hein, je vous le dis. Oh mais qu'est-ce que c'est génial, franchement. Un petit kissou. Même pas, aucun respect. Oh purée. Oh et tu peux encore leur tirer dessus quand ils sont... Quand ils sont au sol, c'est méga kiffant. Pouh, les réflexes de dingue qu'il faut quand même. Et pour avoir les armes et tout bonus, les munitions qu'on retrouve dans les caisses, les tonneaux et tout, faut sacrément être rapide. Hein, j'ai tiré dans les roupettes. Sophie, que fais-tu là? Tu vois, avec les ombres, on aurait dit que Sophie avait de la moustache. Oufti, morflé Sophie. Donc on doit lui tirer dans le cœur là. Si tu bougerais pas, j'aurais plus facile aussi. Un direct hyper actif. T'es en slibard, hein, la mec. Oh là là, la décomposition et tout. Oh, excellent, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh là là, comme c'est dégueu flash. J'adore. Oh là là là. J'arrêterai pas de le dire, mais là, waouh. Ouais, je sais. Mais bon.
Sophie. Là, vous avez fait la connaissance de Sophie. Le principal chapitre suivant. On a sauvé 3. C'est déjà ça. Hein. Mais là, 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 punaise. Qu'est-ce que je regrette pas de l'avoir acheté celui-là. Purée. Une fois, je pense même que je me demande si c'est pas ressorti aussi sur PS4. Parce que si c'est le cas et qu'il est sorti en physique, alors là, ben. C'est pareil, si Bibi me le faut. Il est où mon curseur? Des fois je perds de vue, je veux tellement aller vite. Ah, il y a des tonneaux qu'on peut pas casser par contre. Oh putain, merci, je suis là. T'es sauvé mec, dis-moi merci. Là on a chopé quelque chose, mais je sais pas quoi, j'ai pas le temps de voir. Il m'a poussé le plus bedonnant que moi. C'est trop kiffant qu'on peut encore leur tirer dessus. Une fois qu'ils sont morts, là, on tire encore dans les carcasses. C'est jouissif à mort. Ils sont souvent par deux. J'ai jamais compris pourquoi on appelait ça des chauves-souris, parce qu'elles sont pas chauves, et je les ai jamais vues sourire. Et le petit bruit là, quand tu leur tires dedans, punaise, qu'est-ce que c'est? J'arrêterai pas de le dire, mais bon, qu'est-ce que c'est mortel. Allez, barba papa, hop. Mais de rien mec, tu aurais pu me donner un petit truc. Merde, j'ai loupé la caisse. Ouais, il m'a saisi. Ça manque des jeux comme ça, des jeux, des rail shooters comme ça sur nos consoles actuelles. Mais qu'est-ce que j'adorais ça à l'époque, les Virtua Cop et tout, les Time Crisis.
Désolé, ma fille, j'ai pas su. J'ai pas géré. Là, ça va. Je sais plus ce qu'on avait comme bonus quand on ressuscitait à tous les sauver. Mais faut y aller, hein, punaise. Pas facile à voir celui-là. Qui con là. Fouille. Enfoiré. Oh là 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 là. C'est pas celui auquel j'y ai joué le plus à l'époque parce que je n'ai jamais eu la chance de le choper sur Saturn. Par contre, la Ghost of the D2 sur Dreamcast, celui-là, mon Dieu, les soirées, les heures que j'ai passées dessus, qu'est-ce que je kiffais. Alors il y a eu le 3 aussi qui était vraiment pas mal. Celui-là c'était sur PS3 qui est sorti par après, ou ouais il me semble sur PS3. Et je me demande s'il n'y a pas eu une version sur Wii aussi. Je suis pas sûr. Allez, on va faire encore une fois un petit chapitre et puis on arrêtera là. Non, House of the Dead 3, c'était sur Xbox. On savait même débloquer le House of the Dead 2. Et il y a eu The House of the Dead 4 aussi. Enfin, ça s'appelait House of the Dead Overkill, voilà. Celui-là était sorti sur Wii et sur PS3. Une petite compile de tous, ça, je ne dirais pas, non. Magnifique, ces ombres et tout. Dans le Overkill, on pouvait même choisir les destinations qu'on voulait. À certains endroits, on pouvait choisir d'aller à gauche, à droite, et ça changeait selon l'endroit qu'on choisissait. Donc ça offrait une chouette rejouabilité au jeu. Il est où mon curseur ?
Merde, je savais pas qu'on pouvait le sauver. Enfin, j'ai essayé comme j'ai pu, mais. On va tirer aussi avec la touche A, pour ceux qui préfèrent. Ah merde, je lui ai tiré dedans, quel con. Mais les gerbes de sang, mais quel kiff. Oh punaise, il m'a saisi celui-là. Merde, il y avait une grenouille, un truc doré là-bas à choper. Je l'ai loupé. Et là encore, je l'ai loupé. Un petit bonus comme ça à choper. Ah, un petit succès. Qui arrive en retard vu que je suis en hors ligne. Merde, tu es tiré dedans, au lieu de tirer dans. C'est pas toujours évident hein, de sauver les personnages. Ah, il m'a eu un enfoiré. Merde. Thank you.
Ouh, c'est chaud boulette, mais qu'est-ce que c'est qu'ils font? I must compliment you. I didn't think you could make it this far. However, this is it. Let's see how good you really are. Petit fan de Michael Jackson. Ouf, petit nom de Dieu. Waouh. Là, on va morfler sévère. Ne reviens plus, hein. Satanée bestiole. Bon, je rigole, hein. Parce que je sais qu'elle va revenir, t'enfuir. Elle va me pondre au... à la gueule en plus. Elle va me chier à la gueule. J'ai jamais eu un caca d'araignée dans la tronche. On l'a presque, hein, je pense, là. Écrase-toi, satanée bestiole. Et voilà. Ben les amis, je vous propose qu'on en reste là. Franchement, j'ai vraiment envie de continuer. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse la suite en vidéo. Je ferai ça avec un grand plaisir. Et je vous présenterai, si vous le voulez aussi, la version Switch. Sur la Switch portable, en version plein écran aussi. Parce que franchement, il est excellent. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu qui fait super plaisir et qui aide à référencer la vidéo, qui aide la chaîne. Laissez-moi un petit commentaire, je vous répondrai. Dites-moi si vous aimez ce style de jeu, si vous le connaissiez déjà avant sur Sega Saturn, sur borne d'arcade. Et n'hésitez pas à me dire aussi des titres de chez Sega ou d'autres anciens jeux comme les Sud Namco sur borne d'arcade que vous aimeriez voir adaptés sur nos consoles actuelles. Voilà, donc laissez-moi un petit commentaire, je vous répondrai. Et je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vous surtout, jouez bien. Ciao, ciao. Et encore un petit succès. Ciao, ciao.